Bonjour YouTube, bonjour Melilos, bonjour les amis de Prissy, bonjour ma famille, j'espère que vous allez tous bien et moi ça va par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo, mais avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour les abonnements, les partages, les likes, ça va droit au cœur. Et si c'est pour la première fois que tu vas me regarder, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager et de commenter. Et si tu as une question, n'hésite pas de poser ta question. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. On va une fois de plus parler des entrejambes. Vous savez, pour nous les femmes, les entrejambes, les fesses, les bas de fesses là, les aisselles, les mains, les pieds sont très importants. Très, très importants. Donc, vous savez aussi qu'en tant que femme, les entrejambes, c'est vraiment une partie très, très intime. C'est une partie vraiment qui tient la femme. Parce que quand on porte les mini-jupes, on s'assoit et par erreur, on n'a pas bien croisé les pieds et la personne qui est en face de vous peut avoir la vidéo gratuitement. OK? So, si vous ne savez pas comment s'asseoir, la personne qui est en face de vous peut avoir l'image gratuitement. Et vous savez, aujourd'hui, on a des téléphones partout. Les gens, leur travail, c'est filmer au lieu de venir te faire signe. Oh, est-ce que tu peux arranger tes pieds? La personne va prendre un téléphone pour filmer tes entrejambes et puis aller mettre sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est des choses qu'on n'aime pas, ok? Publier les femmes dans des positions bizarres, on n'aime pas ça. Et ce qu'il y a à faire, c'est juste que on doit vraiment prendre soin de notre corps et bien se protéger. Pour éviter ce genre de désagréments. OK? So, aujourd'hui, je viens avec je sais pas, je vais appeler ça une crème qui va vous protéger contre les frottements des entrejambes, des sous-armes, OK? Les frottements des pieds. Des fois, quand nous portons les chaussures, nous avons, surtout si tu es cette personne qui a 5 shades, 6 shades. Et si tu ne fais pas attention, tes pieds sont bien noirs parce que dû au frottement des chaussures, tu as des traces noires, okay, qui tournent en quinto. Mais à vrai dire, quand on voit, ce n'est pas vraiment le quinto, mais c'est juste que le frottement des chaussures et ta peau de pied, et ça fait qu'il y ait des marques. OK? So, j'ai un produit qui peut nous protéger tous contre ce genre de frottement, ok? Et surtout pour mes mamans qui ont beaucoup, beaucoup de poids et qu'on a appelé sur Internet apoutchou, les mamans apoutchou. Et chez nous, souvent, on appelle ça moutoukamounéné. Et les mamans qui ont les moutoukamounéné, les mamans balèzes, ok? Attention, je ne dis pas ça pour me moquer de qui que ce soit, ok? Chacun est bien dans sa peau, ok? Vous êtes tous belles, on est tous belles. C'est juste que c'est des termes qui sont utilisés sur Internet pour faire comprendre à d'autres pays qui me regardent, ok? On appelle ça actuellement apoutchou, chez nous, au Congo, moutoukamounéné, on appelle ça, et sinon, c'est le poids, les femmes qui ont plus de poids, surtout. Et les frottements là leur rend vraiment un problème, vraiment un grand problème, ok? Et aussi, c'est pas seulement les mamans qui ont de poids qui peuvent avoir ces frottements, et même des enfants, nos enfants à bas âge, comme dans l'âge de la puberté, et si l'enfant prend du poids, effectivement, l'enfant peut avoir des frottements aux pieds, et puis ça peut devenir noir. Et tout comme aussi nos maris aussi, il y en a des hommes qui ont aussi ce frottement de pieds. Et surtout ceux qui sont nés naturellement avec un X, ok, les pieds X, là où ça se croise ça se coince entre les jambes et c'est un peu open. Mais il y a d'autres personnes qui sont écartées
au niveau des entrejambes, ils n'ont pas vraiment ce problème, ok? Mais après, quand tu prends le poids, et ça va arriver. Alors, ce produit va nous protéger contre les frottements des entrejambes, ok? Alors, entre-temps, il y a bel et bien des crèmes que vous pouvez utiliser pour protéger ces parties-là, comme le beurre de karité, ok? Comme la vaseline, ça protège. Et comme celui-là aussi, okay, ça peut vous protéger. Ne faites qu'après avoir fait vos soins, okay, mettez un peu de crème là-bas et puis mettez un cicliste pour éviter ce frottement que ça se passe trop trop fort. Ok? Excusez-moi. Et la vaseline, comme je l'ai dit, il y a vraiment beaucoup de produits qui, beaucoup de crèmes qui tendent à la texture de la vaseline qui peuvent vous protéger. Le beurre de karité, j'ai déjà cité. Et si tu n'as pas tout ça, même l'huile d'amande douce, le mettre entre les entrejambes, ça va protéger. Et des fois, voilà pourquoi c'est important d'appliquer les produits éclaircissants le soir. Et comme ça, quand tu mets le produit éclaircissant, tu n'as pas de mouvement à faire. Tu vas justement au lit et ça va aussi te sauver de rendre tes entrejambes noires avec les boutons, tout ça là. Ok? J'ai ici la Bang Bloom. Ok? Bang Bloom, c'est un produit aussi qui est comme du vaseline. Ok? C'est un produit qui est comme du vaseline. C'est un produit pour la peau et c'est souvent les gens qui ont des bœufs, ok? Ça traite la peau de bœuf, une peau qui a des bœufs qui a des problèmes, ça vraiment traite la peau, ça hydrate beaucoup. Alors, pourquoi j'ai ce produit? J'ai ce produit parce que la chanteuse Shania Twain, c'est ça qu'elle utilise pour garder son visage hydraté, sans rides, ok? Ce produit, c'est très efficace. Si tu as des problèmes de peau, tu as une peau sèche, une peau avec l'eczéma, une peau qui se déchire, qui gratte, si, ou peut-être l'enfant a une peau très, très vraiment mal à regarder, ce bloom-là peut aider à traiter la peau. Okay? Je l'utilise aussi avec le rétinol sur le visage ou juste comme ça le matin, je le mets au visage et le soir, je rince mon visage. Je mets un autre produit, ok? Ça hydrate beaucoup, ça vraiment ça améliore. Si tu as par exemple les pieds, les taches blanches sur le pied, je te recommande ce produit. Ça peut t'aider parce que ça traite les problèmes de la peau, non pas seulement du bœuf, mais aussi les problèmes de la peau de l'être humain, ok? Et si tu as les lèvres séchées. Hein, les lèvres séchées, vous savez que l'hiver sera là bientôt. C'est très efficace. Ok, les mains déchirées, il y a des gens quand ils touchent le savon Kojic, ça peut déchirer les mains. Celui-là, quand tu prends ça, tu mets sur tes mains, vraiment, ça va vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup hydrater tes mains. C'est un bon produit. Je l'ai en tube que je laisse ça dans ma voiture. Ça, c'est pour les lèvres. Ok, mais c'est le même produit. Alors, je vais te montrer. Tu vois que c'est une grosse boîte, mais c'est vraiment déjà en bas. Regardez, je me suis brûlée. Je m'étais brûlée hier. J'étais en train de préparer. Vous avez vu la cicatrice là. La prochaine fois, ou peut-être dans 2 ou 3 semaines, je vais encore vous montrer. Vous allez voir comment ça va fade. OK? So, c'est hier que je me suis brûlée avec la poêle. Donc, je faisais sortir la poêle dans le four et ça m'a collé. J'avais mal placé le torchon et ça m'a collé sur la peau. Regardez. Bon, ça, c'était une parenthèse. Bon, j'étais en train de vous montrer. Regardez, c'est une grosse boîte. Mais regardez comment c'est très, 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 très utilisé. OK? Un très bon produit contre les problèmes de la peau. Alors, tu peux utiliser ça sur les entrejambes. Ça fait du bien. OK? Hydrater la peau de ton enfant ou les pieds qui se déchirent après avoir bien gratté ses pieds, tu mets tes pieds dans l'eau, tu enlèves la peau morte, tu prends ce crème là, tu mets sous les pieds et tu mets les chaussettes. Demain matin, tu vas pas reconnaître tes pieds. Ok, ça travaille très 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 bien et très efficace. Alors, le produit dont je veux vous montrer, ok, ça s'appelle Body Glide.
OK? Body Glide, celui-là, c'est un produit uniquement vendu aux États-Unis. OK? Vous pouvez trouver ça en ligne sur Amazon, sur Uber peut-être. En tout cas, en ligne, il y en a. Moi, j'ai acheté ma part sur sur Amazon. OK? J'ai acheté ma part sur Amazon. C'est un produit qui ressemble au déodorant, mais ce n'est pas un déodorant. C'est un produit qui vous protège contre les frottements des entrejambes. Hommes, femmes, on peut utiliser sur les pieds qui se grattent avec, si tu es souvent, par exemple, si tu es cette personne comme moi, je suis plus souvent avec les chaussures du travail. Et comme ça ne sert pas trop, les frottements là, ça peut faire, ça peut laisser les traces noires. Mais Dieu merci, en tout cas, mes pieds, je mets toujours du vaseline ou du beurre de karité. Et peut-être raison pour laquelle que je n'ai pas les traces noires, je n'ai pas les kentos sur le pied ou derrière mon pied, ok? Ça, là où on appelle les kinkoso chez nous. Dans d'autres pays, là, je ne sais pas comment vous appelez, mais derrière le pied, non? Les tendons là, ok? Il y en a des gens qui ont ça noir. Ma part n'est pas noire, mais pourtant, je suis toujours dans les chaussures du boulot pendant des heures et des heures. C'est parce que peut-être je mets la vaseline ou le matin, je mets la vaseline et le beurre de karité. Et cette crème que vous avez vue, je mélange et je mets au pied. Peut-être c'est pour ça que je n'ai pas ça. Mais celui-là, cette crème-là, peut être utilisée sur les pieds aussi. Les sous-armes, OK, pour mes big mama, quand vous marchez comme ça, OK, si vous avez ce problème que vous mettez, ça coince entre votre peau, vous pouvez appliquer cette crème avant de commencer vos courses, OK, quand vous vous levez le matin. Sur une peau bien propre et bien sèche, vous frottez ce truc parce que c'est en forme de déodorant, ok? Ça peut être appliqué sur nos enfants, nos maris, les entrejambes, partout là où on sait que ça coince, comme je l'ai dit, ok? Les pieds, les entrejambes, les sous-armes, ok? Celui-là, je répète, c'est un produit uniquement vendu. Cette bouteille-là que vous voyez, la boîte que vous voyez là, c'est bien écrit sur la boîte, uniquement vendue aux États-Unis. Alors, mes mamans qui sont aux États-Unis, vous êtes servies, courez, allez vous acheter ceci pour protéger vos entrejambes. Il n'est jamais trop tard pour prendre une action quelconque qui fera du bien à ta peau. Il n'est jamais trop tard. Le problème, c'est quand tu ne le fais pas. Mais si tu vas te protéger, et tu vas éviter le pire, ok? Alors, la vidéo là, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les longues vidéos, mais parce que ici c'est YouTube, c'est pas TikTok où on fait les vidéos de 3 secondes, de 2 secondes, de 3 minutes, ok? Je dois parler et je dois expliquer parce que ces minutes là, ça compte pour ma chaîne. Je vais essayer de... Non, je ne veux pas lire parce que je sais que la majorité, vous n'êtes pas les anglophones, so... Je veux interpréter les commentaires de son menu. Si je peux, je mettrai ici. Et si je ne peux pas, je mettrai sur la barre d'infos, hein, pour éviter que la vidéo soit longue. OK? Alors, c'est un produit qu'on vous applique une fois le matin. Et ça va être là, consistant jusqu'à ce que vous allez prendre votre douche. OK? Et ça protège, c'est pas testé sur les animaux, ok? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les produits testés sur les animaux. C'est pas testé sur les animaux et ça va juste vous protéger contre la rage, l'irritation, les frottements, ok? Et pour les frottements qui gâtent votre peau, ok? Alors, vraiment, n'hésitez pas à acheter ce produit. Alors, peut-être que tu vas penser... j'ai un paiement concernant ce produit. Non, je n'ai aucun paiement, ok? Je n'ai pas un paiement ce produit. Comme toujours, je partage toujours pour mes belles dames afin que vous ayez une peau belle et saine et une peau sans problème. Se protéger, c'est mieux au lieu d'attendre que tu aies les entrejambes saines, ok? Fais plaisir à ton gars, achète ça pour ton gars et voilà. Alors, je vous dis merci beaucoup, vraiment merci. Et on se retrouve sur une autre vidéo. Et, by the way, ma maman qui m'avait recommandé le rouge à lèvres orange que je cherchais. Et ma chérie, tu peux me demander d'acheter rouge à lèvres
En France, là-bas, et puis ça va venir là où il y a beaucoup de compagnies, là, vraiment, toi aussi. Hein? Et le shipping pour un rouge à lèvres, je vais aller acheter ça en France, là-bas. Ah, ma chérie, merci beaucoup, mais tu m'avais pas aussi donné le numéro de rouge à lèvres parce que quand j'ai regardé leur site, il y a eu les couleurs que je voyais, c'était seulement rouge-rouge. Si tu peux me donner le numéro et le nom, mais sinon, j'ai trouvé à Sephora, j'ai acheté juste la marque Sephora. C'est ce que j'ai porté, ça coûte 9 dollars orange. Peut-être ça se fait pas voir ici trop bien, mais sur la photo, c'est juste waouh. Alors, merci beaucoup et à très bientôt. Informe-moi si tu as une bonne nouvelle.